Une petite vidéo spontanée pour vous partager ce bel environnement doux, propice à la méditation et qui m'inspire l'état méditatif et l'état de flow, comme la rivière qui coule. Être dans le flow, dans le flux de la vie. Cette belle rivière m'inspire. C'est vraiment très agréable. Je voulais vous partager ce moment méditatif. Douceur près de la rivière. Les oiseaux sont vraiment très présents. Je vous laisse écouter. Ça m'évoque un petit peu comme une ambiance chinoise, une estampe chinoise. Ça me fait rebondir sur le Wu Wei, l'attitude du non-agir. Non-agir, apparemment, c'est très mal compris. C'est plutôt une attitude d'agir à partir du non-agir. Donc, retrouver cette connexion à l'être, à la nature, pour être dans un état de laisser être le flot comme l'eau qui coule, pour une action soit émané de l'être et non pas du faire habituel. Être dans le flot, ça m'évoque être dans le flot. Quand je vois cette rivière, c'est un état aussi auquel j'aspire et que je cultive comme je peux, justement en revenant à cet état de présence, dans le moment présent. Alors je voulais vous partager ce petit moment de retour ici et maintenant, à savourer cet instant, revenir à la présence au corps, dans la posture qu'on a choisie, l'inspiration, toutes ces sensations, l'écoute des sons, l'observation de la nature, cette communion avec la nature. Juste s'autoriser à vivre pleinement cet instant, suspendre le temps. Écouter le chant de la nature. Contempler ses merveilles. Habiter cet instant. Avec la brise légère qui fait danser les branches, les feuilles dans le vent. Je vous partage ce petit moment de douceur. Petit clapotis de l'eau qui coule. Ça me fait penser à quel point l'eau est importante dans le taoïsme, la philosophie chinoise, dont on fait référence beaucoup en tai chi, qigong. Laisser couler. Les éléments, c'est très beau, avec la terre, l'eau, l'air, le soleil, les arbres, un petit moment d'harmonie dans la nature,
les oiseaux. Être dans le flot, dans le flux de la vie. Plein de douceur à vous. Bisous, bisous.